Mais les gars, on va. Oh putain, ouah, ça va être trop chiant. On devait y aller avec Yon sur l'UAE Tour. Notre leader, ça va être Ruben Fernandez, quoi. Ou Rémi Rocha. Terrifiant. Alors, on a qui là? Mask, Hunter, Izagir, Gana, Yetz, machin, ok. C'est qui les favoris? On a. Ouah. Sam Bennett, 80. Pedersen, 78. 80. Arnaud Démare, 79. Giacomo. Non, bon, on va essayer de ramener. En vrai, objectif, ramener une victoire d'étape de la semaine, hein. On ramène une victoire d'étape, c'est semaine réussie, hein. Du coup, contre Sony plus 2, 79-77. Si ça, c'est pas beau. Emmené par David Etchimolay. Bon, là, on a un petit train bien plus sympa qu'en Australie, quand même. Je sais pas s'il vaut mieux faire des petits trains ou des gros trains, vu que maintenant il y a une bataille de trains parce que ça se mange des blocs, mon pote. T'es match Imolai contre Sonig. Tout le monde, vaut mieux faire des plus petits trains. Hein. Oh, la barre rouge Jimmy dans le final. Aïe aïe aïe, c'est énorme. C'est un joli. Allez Simonet. Allez Simonet! Oh non, qu'est-ce qu'il fout là-bas, Kirby? Oh, il est sorti de nulle part, je suis trop triste, je me voyais déjà lever les bras. Victoire de Kirby! Devant Simonet contre Sonny, Andrea Vandramme, Trentin Bennett 4 et 5. Oh non, on avait trop bien lancé. Bah, Kirby, premier leader. Putain, Kirby, il gagne des sprints massifs dans le jeu. Mais il est trop fort dans le jeu, non? Contre Sonny 0 avec son petit maillot vert là. Michel en espagnol. Mais arrêtez avec votre propagande de Mikel. Il va faire 18ème. Déjà Mikel il va avoir les pavés, il va arriver à Rambert, il sera tout triste, il sera déjà 29ème à 4 minutes. Après je me demande vraiment, je pense que Poga il va pas attaquer la planche avec la même optique qu'il a attaqué le ronde, hein, c'est sûr même. T'attaques pas une étape de pavé sur un grand tour comme de la même optique qu'une classique, hein, mais. Genre, je suis pas sûr qu'il va faire le kiki à sortir dans tous les secteurs. Hein. Bon, après, je sais pas, ça reste Poga. Allez, Chimolai. Allez, Chimolai. Allez, mon pote! Va les chercher! Ah, ils vont pas s'écraser. Victoire d'Arnaud Démare. Dans Phil Bow, c'est Chimolai 3ème. Bon, pour le moment, 2 sprints, 2 et 3. Si on suit la logique, hein, il nous manque une place sur le podium, les gars. N'hésitez pas. Il a obtenu le tour du Var. 3000 balles seulement. On veut des thunes. Ramenez-nous les thunes! Ou Ben Thomas! Oui, monsieur, 79 chrono, 82 prologue. Là, il y a de quoi faire, là. Bento, 10ème, 16 secondes. Alors, on a qui de placer, là, hormis Thomas? 16 secondes, Thomas. Qu'est-ce que 39? Ouais, le général va être vraiment très dur. Hein. Genre, on va arriver avec Rochek à 40 secondes de retard pour se taper face à Vingegaard, je sais pas ce qu'on va faire. En tout cas, Bento. Avec une giga forme peut-être, mais là compliqué là. Première jeune. Ouais, non, Roland, quand il arrive sur le tour et qu'il fait ses perfs en 2011 là. Pff. Et face à Contador, Samuel Sanchez. C'est. L'adversité, elle est abusée. Certains directeurs sportifs. Sa victoire à l'Alpe, quand il lâche Contador et Sanchez, mon pote, c'est. Je crois que c'est peut-être l'une des victoires françaises les plus belles sur le tour, quoi. Mais de fou, gros. T'as 10 piges, tu vois ça? Tu prends ton petit vélo? T'imites leur gueule? Ah, t'imites la. Moi, je me vois en train d'imiter la gueule de Vauclair sur le vélo. Avec mon petit VTT pour aller jouer rejoindre le petit terrain de foot à côté de chez moi. Ah, mec, énorme. C'est exceptionnel. Époque de roi. Ça prenait sa petite bicyclette pour rejoindre les copains au foot ou quoi? T'es sur ton vieux vélo, tu faisais du 8 km/h. Tu faisais des grimaces à la Vauclair. Sur une bosse, tu te mettais en danseuse, tu faisais des gauche-droite à la. En mode t'es Contador, gros. Je crois que vu que de l'extérieur. Hey, j'adorerais voir des vidéos de nous quand on fait ça de l'extérieur, vu de loin. Ça paraît très très con, je pense. Mais ça va être trop dur, gros. On va rien faire à part un mec qui va se placer 28ème au pif. Qu'est-ce qu'on se fout à se batailler face à Vingegaard et les Armadas Ineos, là, avec Fernandez et. Et Bento. Bon, Rocha Gueschke Terminado. Ruben, il va tenir Ruben pour un top. Eh, c'est bien, on est top 46 là. Ça donne quoi devant? On va quand même admirer le spectacle. Yetz Magnulti. Luc Plap. Ouah, les stats. Le petit Plapi. Ouh. Allez, Ruben. Bon, victoire d'Adam Yetz devant Magnulti.
Putain, sur PCM, les dirigeants de l'UAE, ils veulent pas, ils obligent pas à foutre Pogga sur la course pour qu'il lamine tout le monde. En top 20, énorme. Et ben voilà, Ruben. Il fait 19, 18. Enfin, 18ème devant Formolo et Swift. Et ouais, mon gars. Bon. Ah, c'est l'abandon de Yon, là, mon pote, tu nous as foutu dans une merde, là. C'est quoi ce merdier? Ah, mais attends, on a passé les jeunes, les scouts, putain, vous me dites rien, les gars. Oh, les adjoints. Vous dormez, vous rompichez ou quoi? Là, il y a des rapports qui commencent à être complets, là. Oh, Théma, le petit potentiel du Lars, là. Ah, mais là, du coup, ils sont passés en clair, du coup, c'est le potentiel exact, ça? Mais lui, je te jure qu'on a eu un feeling avec lui, hein. 4 étoiles et demie? Ah, ils augmentent que de 1 quand on les observe pas. Après, on est d'accord, ça, c'est la moyenne. À tout moment, il peut avoir 4, mais avoir un 80 pavé, non? Genre, à tout moment, là, il a 4 de potes, mais il a 6 de potes en pavé. C'est vrai qu'il y a ça. Ah, il a 5 en sprint quand même, hein. 4,5 en classique du Nord. Oh non! Ouais, on est d'accord, ça a l'air d'être un mec dégueulasse, c'est sûr, il va avoir une bonne note vallon, mais tout à côté, il va être nul. Je vous jure que Raoul Gamero, il a l'air vraiment pas dégueu, hein. Donc prochain, c'est le 7 du 3. C'est juste après la première étape de Paris-Nice. Alors, étape 5. Là, il y a une ouverture, là. Là, il y a une petite ouverture quand même. Bon, du coup, au général, on a Gueschkö à 2,23. Rocha à 2,04. Fernandez à 2,03. Ah, mais je suis à 5 bornes! Ça y est, mon cerveau est en train de se ramollir. Si on fait un truc, c'est un miracle, hein. Là, c'est les miracles de la vie, comme il y en a rarement. Oh, bah oui, non. Il n'y aura aucun miracle, là. Ils ne sont plus beaucoup à suivre l'allure infernale. Il n'y aura absolument aucun miracle. Il a mis tout le monde d'accord. Oh non! Ah, ça m'arrive tellement de fois, gars. Je parle, je regarde le chat, je tourne la tête. Soit la ligne est passée, soit je suis à 3 bornes. Et c'est trop tard. Énorme. Franchement, et c'est niveau galère. Tant mieux, hein, mais. Compte tenu, c'est même pas nous. En soi, on a 4 victoires. 2 de la fée, 2 de Bento. Oh! Mais Chimola, il vit sa meilleure vie. Par contre, contre Sony, ça va. Ça a 2 minutes, gros. Mais frère, mais. Wow! Un peu de respect sur notre maillot, sur nos couleurs, je sais pas, sur nos valeurs! Bon, allez, on se foire pas. On va chercher notre win. Parce que si on repart du AE sans win, je serais très triste. Trouver pour que ça marche. En vrai, vous savez, ce qui est terrible, c'est qu'à la base, c'était une petite vanne. Puis je me suis vite rendu compte que c'était pas une vanne de fou. C'était très bourbier. Du coup, bah autant qu'on aller jusqu'au bout, quoi. Pas se mentir. Allez, Chimolai. Allez! Allez, Davidé! Mais mec, ils sont déjà tout là-bas! Arnaud, arrête! Allez, Davidé! Magnifique victoire sur ce sprint. Ah merde. Bon, victoire d'Arnaud démarre devant Philbo, c'est Guillaume Chimolai, top 5. Wesh, mais attends quoi? Ah, mais non! Philbo. Oh, Brandon, tu nous éblouis avec ta beauté! Brandon, arrête de sourire! Faune Ardèche classique, mais on va totalement la faire avec Guigui! Oh, Zingle plus 4. Alors, ça, tu vois, c'est un truc qui peut être intéressant, ça. Putain, mais c'est. Oh! Oh, Axel! La forme, mon pote! Qu'est-ce que tu fais? Thomas champion, plus 4. 77 montagnes, 77 vallons. Dommage qu'il ait éclaté en Axel et en sprint, hein, parce que on va rien faire avec lui, là. Bon, va falloir se décider, là. Merde, Axel! Ah, tu sais quoi, on va jouer pour Alexandre. Alexandre, il mérite. C'est un BG. Il sera pas leader tous les jours, Alexandre. On va tenter, non? Petite attaque, là. Petite attaque placée. Chevalier. Putain, je sais pas s'il était dans l'échappée de base ou s'il a rejoint. Parce que s'il a rejoint entre-temps, il a peut-être pas mal d'énergie, là. Thomas champion, bientôt Terminado. Oh, mais non, on se fait distancer, là. Ah, il y a encore Chevalier devant, hein. Putain, si Chevalier nous la met tous. Oh, VDP, il y va, hein. Décisive.
Qu'est-ce que fout Delettre dans ce groupe? Podium? Ouh, le podium. Bon, VDP imprenable. Devant Bigarmo, mais devant Delettre qui fait 3. Félix Gall et Quintana 4 et 5. Oh là 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 là. Guigui et Thomas qui font 9 et 10 en plus. On fout les 3 dans le top 10. Eh, sur une Fonardèche, c'est sympa vu la Starkis devant des Quintana et tout. Bon, après, il avait le plus 5. Hein. Là, il était dans la meilleure forme de sa saison. Oh, meilleure équipe. Ça m'avait manqué. Être meilleure équipe sur une petite classique de mer comme ça. Alors, on me loupe. On a qui sur la course là? Ah. Si Algarde veut avoir un plus 5, tu peux. Hein. On dit pas non. Parce que là, le reste, Wallace, Max Walshed à la limite, mais. Walshed, il passe pas un pont d'autoroute, putain, mais et pour le ronde, ça va être atroce. Il est pas mal quand même, Crader, là. Là, Crader est très chaud, hein. Mon petit Crader, je compte sur toi, là. Je pensais pas que j'allais jouer le leadership sur une course pavée World Tour avec ce mec, mais. Je sais pas, en fait, les classiques, elles me font trop peur, je sais pas comment les jouer avec le nouveau système de barre, là. N'importe qui, c'est de bons gars, hein. Lampard, Garcia. Garcia 80? Mais attends, mais il fait quoi cette année, Garcia, en résultat sur le rond des compagnies, là? Pour l'instant, la sélection s'opère par l'arrière. C'est Van Marke? Ça va pas trop péter, hein. Putain, on est dans le bon coup là avec Crader énorme à 10 bornes. Collaborer les gars. Allô? Et tu vois, le groupe de 30 secondes comme dans le dernier PSM, ça serait rentré en 2 secondes parce que t'as des kékis, ça serait mis à 110 n'importe comment. En se sacrifiant pour les autres. Il y a un monde où. Ah, Christophe, s'il se crame premier, Garcia est très bien, mais il en fringale. Et il y a pas un monde là où il se passe quelque chose de magique? Allez! Crac! Ah non! Putain, dommage! Je suis trop triste, à deux doigts de l'exploit! Aïe, 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 victoire de Christophe devant Wesley, Crader et Valentin Madois, c'est Van Mark Asgreen. Aïe, 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 oh putain, non! L'intrus dans le classement. Comment ça, l'intrus? Oh, reste. Je vous ai dit quoi? Mes coureurs, c'est mes refs. Vous parlez mal de mon coureur, vous parlez mal de moi. Bon, Wesley, deuxième, dommage. Bon, c'est déjà très très beau, hein, tu vas me dire, hein, faire deuxième, mais avec Wesley Crader. Mais vas-y. Ah, rien, ça joue pas, quasiment rien. Thema, sa tête, il est trop heureux, c'est son meilleur résultat, gros. Il a jamais fait mieux. Thema, carrière, deuxième home loop, c'est affiché. Il a 2 victoires dans sa vie. Premier jour de course. on n'a pas gagné sur l'UAE Tour. Je ne pense pas que c'est pour aller gagner au sommet du GB La Fête. Mais bon, je peux me tromper. Hein. À tout moment, ça part sur un plus 5 d'un mec qui a 74 montagnes ou 75. Et on ne sait pas. Hein. Et le rêve est permis, mais... Putain, mais c'est mes deux sprinters qui ont plus 3, plus 4 là, en dessous de ma gueule. Perez 74, 77. Il y a un monde où Perez, ça va être le meilleur de la team. Bah force à vous, les gars. On va faire 26e. Mais Chimola et Consoni ont quasiment tenu. C'est une dinguerie. Top 20 Perez. Genre Styros. Oh, mais mec, j'ai mangé un petit truc à 18h. Sinon j'ai rien mangé d'autre. Oh, j'ai trop faim là, j'en peux plus. D'où ça vient? Ah ouais? Sur PCM? Pendant que tu joues, genre? Ah non, j'ai rien eu moi. Top 20! Allez Anto! Derrière le champion du monde quand même! 20ème. Putain, on a failli se faire voler le top 20 par David, hein. Je le déteste. Hein. Prime obtenue. Et la petite deuxième place là de Crader, sortie nulle part. Crader, on le connaît pas, personne le connaît. Boum, on arrive, deuxième à l'home loop. Ça tape VDP. Alors, Fonardèche classique, boum. Coquard, Bidard. Bon, écoutez, en vrai, peut-être Coquard, hein, en fonction de la forme. Hein. On va voir. Hein. Alors, Coquard plus un ballon, 74. Jouer avec la Barnadémé. Ah, il y a une bosse à la fin. Ouah, c'est un carnage.
Oh putain, ça me donne mal à la tête déjà. Ah! Il va se faire tabasser. Là, je vous jure, là c'est fini. Hein. Guigui va se faire insulter dans la presse et tabasser par Nasser. Oh, ça passe pour Brian. Faut un peu. Est-ce qu'on mettrait pas à durcir là? AG2R le fait déjà. C'est qui le leader chez AG2R? J'ai même pas regardé la startlist. Nasser, Pasqualon, ouais, il y a Patrick. Allez mon Brian, faut tenir. Parce que là, si on tient en vrai, Brian, petite pointe de vitesse. Hein. Il va y avoir un duel Brian contre Nasser. Mais bon, en punch, on le fume, Nasser. Ouais, le problème, c'est que là, on n'a pas trop l'énergie pour faire le kéké, quoi. Avec la bosse dans le dernier kilomètre en plus. Mais là, on va se refumer, là. Oh, quoique, ça se regarde un peu. Allez, Guigui Martin qui lance. Brian Coquard dans la roue. Allez, mon Brian, c'est maintenant. Est-ce qu'on peut aller chercher une place 7, Brian? Ça va être compliqué. Ah non, c'est Pasqualon qui va s'imposer pour la Intermarché Montigobert. Devant Daryl Impé et devant Mathis Louvel, quatrième place de Brian Coquard. Or Luis Olar fait 5, Meurice 6, Calmeuche d'ailleurs fait 8. Onzième place de Guillaume Martin devant Duchesne et Le Gac. Patrick! Oh Pascalou. Pascalou qui fait 14. Donc Kurn et compagnie, on va sauter. Hein. Pas te mentir, Kurn, sa main, les Guglia, ça saute. Direction l'Estradé. Alors il y a quoi? Invitation? Ouais, prime obtenue, trophéo, 1000 balles? 3000 balles au sa main? Mais non, on a fait quoi? Oh, Wout Van Aert, fracture du tibia. Qui sera pas présent du coup sur les routes de Paris-Nice. Alors, Strade Bianche. Autant vous dire que ça va être dur. Simon Geschke, José Rada, Davide Villela, Max Walshed. Écoutez, c'est parti, hein, les favoris. Y a qui dans la Sartis là? Aran Buru, Carapaz, Thomas Sivakov, Vandrame, ok. Oh, y a pas une Sartis de fou. Y a pas Poga, y a, ni, y a pas Van Aert, y a pas VDP. Mes favoris, c'est Dylan Teuns devant Trentin et Yves Lampaert, Christophe, Aaron Bourou, Hirschi. Bon, ça va. Il n'y a pas de mauvaise forme. C'est déjà ça. Pas de mauvaise forme dans l'équipe. On est bien. Alors, on va se mettre boum, boum, boum. Parce que là, j'ai l'impression que QAU, ils mettent des tempos. Placez-vous devant, les mecs. On va suivre Carvalho pour voir s'il tient bien dans les secteurs. Un faux plat montant, il est mort. Bon, faux plat montant de 7%. Effectivement, c'est peut-être un peu plus qu'un faux plat montant, mais... Et pas très résistant dès que ça monte. Hein. Dès que ça monte, il est pas content, ouais, Max. Hein. Derrière, est-ce que ça va rentrer? Mais il est déjà foutu, hein. Allez, hop, ciao, Max. Les espoirs de leadership de Max Walshed auront duré 3,4 secondes. Putain, mais on va vraiment jouer avec André. Je vois pas qui est ce mec. Je l'ai jamais vu en vrai, genre. Je l'ai jamais vu courir. Je ne sais pas quel résultat il a fait dans sa vie. 15e à la Danilis course. Sa meilleure perf. Ouais, en gros, il a pas fait grand-chose encore. Eh ben nous, on va le rendre célèbre, André Carvalho, on va lever les bras à Sienne. Eh ouais. Est-ce qu'il y a Teuns? Oui, il est là, Teuns. Il y a Christophe, il y a Lampaert. Voilà, le problème, c'est qu'il va falloir qu'on réussisse à lâcher les plus rapides. Parce que sinon, on est foutu. Hein. Il reste quelques secteurs. Allez, mon André. Faut tenir. C'est faisable. Devant, ils vont pas aller au bout en plus, finalement. Bon, il y a toujours Ruben, Aran Buruk, Carapaz, Hirschi, Vlasov. Bon, ça va, après, c'est pas non plus la startlist la plus affreuse du monde, quoi. Quand tu vois les noms qu'il y a autour de moi, là. Mais c'est vrai que VDP Van Aert, ils auraient fait du bien, quoi. Mais il a 40... Mais attendez, mais arrêtez-le, je l'avais pas vu. Oh, Trentin, je pensais qu'il avait qu'une vingtaine de secondes. Geschke, il va s'écarter. Le gel. Hirschi. Oh non, non, mais il y a quand même du bon monde, hein, mais... C'est juste qu'il manque les top mecs, quoi. Bon, je suis pas sûr qu'on a le niveau pour aller chercher les 5 de devant, là. Parce que niveau jaune, je suis pas sûr qu'on tienne. À part si ça se regarde. Est-ce que ça va se regarder? Non, ça va pas se regarder. Ça va jouer là. Thomas Arnbou, Trentin Tunes, Vlasov, faites vos jeux. Allez, est-ce qu'avec André, on peut aller chercher une placette? Il y a le top 10 d'assuré pour l'un de nos deux gars. Déjà, ça, c'est pas mal. Elle est à 1,3 km. Dylan Tunes ou pas? Ou Trentin derrière? Ah non, ça va être Dylan Tunes, hein. Ouais, ouais, très très fort, Dylan. Qui va aller chercher une belle victoire sur ses Strade Bianche. Le Belge. À Sienne. Dans Trentin Aranburu. Thomas Vlasov. Sixième ou pas? Non, sixième Hirschi. Septième place. Très très belle septième place d'André Carvalho. Carapaz Vandrame. Simon Geschke dans le top 10. On place 10, deux mecs dans le top 10. J'avais dit. Oh putain, à deux doigts de dire, on place 10 mecs dans le top 2. Énorme. Alors je sais pas si placer 10 mecs dans le top 2, c'est faisable. Ouais, dans les jeux, ils ont retiré les drapeaux russes, ouais. Bon, il me semble que
Il y a quand même les CN et les maillots de champion de Russie, tu vois, mais ils ont. Après, est-ce qu'il y a la Russie au championnat du monde? Ça, je sais pas. Faudrait demander à Red Gueuil, hein, c'est le chômeur saison 18.